les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de l'Yirat Shamayim, la paracha de Ahrimot Kiddushim. Ces deux parachiotes, ils nous donnent beaucoup à réfléchir pourquoi Nadav et Abihu, qu'ils avaient une grande Yirat Shamayim, une grande tzadikim, à tel point que HaKadosh Baruch Hu dit « Bikuvay HaKadosh » Même Moshe Rabbeinu, il a dit que Nadav et Abihu, ils sont plus importants que lui. Et Aaron, il dit à Aaron, moi j'ai cru que nous, toi et moi, on est des grands. Et là aujourd'hui, on découvre que Nadav et Abihu, ils sont plus importants que nous, parce que c'est avec eux que HaKadosh Baruch Hu, ils s'y sanctifient. HaKadosh Baruch Hu, il veut montrer que Has V'Shalom, chez lui, lorsqu'il doit punir quelqu'un, même le grand tzaddik, il est puni. C'est pas quoi quand je ferai punir que les faibles. Quand je verrai, il peut punir même les grands tzaddikim. Pour un rien, il peut les punir. Et pourtant, les Kohanim, ils n'étaient pas nombreux. Il y avait Aaron, Nadav, Abihu, Elazar et Tamar. Alors si quand je verrai, il prend Nadav, Abihu, il reste combien? Il va rester trois Kohanim sur un peuple, un peuple de Bibliénara, des millions de juifs. Kadosh Baruch Hu, il dit, Bikobaya Kadesh. Ils ont fait une faute, ils sont punis. Et lorsqu'on réfléchit, quelle faute ils ont fait? S'ils ont fauté, donc, ils n'ont pas le titre d'être Kadosh. C'est pas peine que Hachem dit, Vichol ni Israël, que tout le peuple juif, ils vont pleurer la mort de Nadav et Abihu. Alors, si ils n'ont pas fauté, alors pourquoi ils ont été punis? Donc on est obligé de dire que cette punition qu'Akadosh Baruch Hu les a punis, c'est en même temps une punition, et en même temps Akadosh Baruch Hu veut montrer que Hachem est nos vatran. Qu'Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas énorme vater. Nous on peut être mévater, nous on peut oublier, nous on peut laisser les choses passer, nous on peut. Nous on est des êtres humains. Mais HaKadosh Baruch Hu, il a tout le temps. Nous, beaucoup des fois, on n'a pas le choix. On est obligé de dire, allez, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Dans la santé, on ne peut pas dire, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. À Chimichmo, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, quelqu'un qui l'a mal au bras, il faut vite qu'il va chez le médecin. Pourquoi? Parce qu'il peut avoir un cancer, sans qu'il le sache. Combien de gens, ils ont négligé un peu leur santé, et après, c'était trop tard, c'est plus, on ne peut plus rien faire. Aujourd'hui, c'est. Donc, lorsqu'il s'agit de la santé, lorsqu'il s'agit aussi de. Il y a quelqu'un qui est venu chez moi hier, un opticien, qui est en train de. Un chirurgien, un dentiste, il est en train de faire faillite. Pourquoi? Parce qu'il avait une petite fuite d'eau dans la salle de bain. Petite fuite d'eau, il n'a pas fait attention à cette petite fuite d'eau-là. Mais cette fuite d'eau-là est tombée chez le restaurant, en bas. Eh bien, ça a causé des dégâts. Alors là, c'est les assurances et le juge et tout, ils l'ont condamné. Mamash, condamné. Pourquoi? Ils ont dit, c'est de la négligence. Tu aurais dû faire attention. Donc, tu as vu qu'il y avait des gouttes d'eau, il fallait tout de suite réparer. Des gouttes d'eau, pendant 2 ans que ça tombait, eh bien, ça fait des dégâts. Maintenant, tu es coupable, c'est ta faute. Donc, il s'agit, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans la vie de chaque jour. On ne peut pas dire ça c'est rien, mais on peut être mévataire sur le carasse. Être mévataire, par exemple, pour ne pas s'énerver. Être mévataire pour ne pas parler à la chanara. Il y a des choses où on peut être souple. Si par exemple on a donné la tzedaka, on peut redonner. Ça fait partie de la avodat Hashem. Mais simple comme ça, en général, il ne faut pas être mévataire, il faut faire attention. Lorsque quelqu'un qui voit
que sa Avodat Hashem et comment ça peut tomber, tout de suite, il faut que réfléchir pourquoi elle tombe sa Avodat Hashem. Quelle est la raison? Où est la faille? Pourquoi ils ne sont pas les Hatshamaim? Pourquoi ils ne sont pas à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi ils ne le sont pas? Ça, c'est grave, ça. Je viens à la prière, je ne sens pas la prière. Il y a un problème, pourquoi je ne sens pas la prière? Je n'ai pas de chèque pour étudier. Je n'ai pas comme hier. Pourquoi je n'ai pas comme hier? Qu'est-ce que j'ai vu pour que ça m'embête, pour ne pas avoir comme hier? Pourquoi? Pourquoi je suis... Pourquoi il y a quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi des fois... Peut-être c'est à cause d'habitude, parce qu'on a, on a l'habitude de voir... Comme dit David Améler, Hachem, protège-moi de l'habitude. L'habitude. Parce qu'on a l'habitude de venir toujours au Beit HaMidrash, on a l'habitude de voir les mêmes têtes, on a toujours l'habitude de voir le même Sefer Torah, le même Gemara, la même Gemara, les mêmes Sifriya. L'habitude, elle prend place, et puis on ne fait pas attention. Peut-être c'est à cause de ça. C'est la raison pourquoi David Améler dit, Hachem, protège-moi de l'habitude. Il ne faut pas que je m'habitue avec toi. Shifti bebet Hashem kol mechaya el hazot benam Hashem ul bakeh beichalok. Il faut que les damelech y prient Hashem. Aide-moi que chaque fois que je vais au Beit HaMidrash, que ce soit comme la première fois que je viens. Il ne faut pas que je prenne l'habitude, comme un bicour, comme une visite. Regardez, mon médecin, j'ai un médecin très très connu, c'est un grand professeur. Au départ, j'avais beaucoup honte de lui. Et au départ, il y avait un grand respect. Maintenant, on est devenu amis. Maintenant. Il me tutoie, je le tutoie, ça y est. Pourquoi? Et pourtant, c'est un professeur. Pourquoi? Parce que ça y est, on est devenu amis. Parce qu'on discute, on discute. Lui me parle médecine, moi je lui parle religion, je lui parle politique. Et il aime discuter avec moi. Donc, on est devenu amis. Mais avec Akash Baruch, on n'a pas le droit de devenir amis. Avec Akash Baruch, on ne peut pas. Parce que si on devient avec Akash Baruch amis, on va commencer à faire, on va commencer à négliger. Donc, à bouteille, c'est très important. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, la première chose qu'il a dit à Aaron, pourquoi? Parce que le fait que chaque jour il va rentrer au Beit HaMikdash, chaque jour il rentre au Mikdash, et si chaque jour il va rentrer au Kodesh HaKodashim, il ne va pas sentir la présence d'Hachem comme qu'il doit la sentir. Il va s'habituer. Donc, il faut qu'il se prépare une fois dans l'année pour rentrer. Comme ça, une fois dans l'année, toute l'année il se prépare pour rentrer, donc s'il va rentrer, il va faire attention. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai vu dans des livres qui disent que le cœur, c'est le Kodesh HaKodashim. On compare dans la Kabbalah le cœur comme le Kodesh HaKodashim. Et dans le cœur, alors c'est le cœur, et on compare, parce que l'endroit le plus saint du corps de la personne, c'est le cœur, l'ève. Le cœur, c'est là-bas où il y a la Shrena, c'est là-bas où il y a. C'est là-bas où il y a la Torah, c'est le cœur où il y a les ta'avot, ra'ot, c'est le cœur qui est le meler, le corps, le roi de tout le corps, c'est le cœur. Et c'est le cœur, c'est l'endroit le plus sacré, le saint des saints, c'est le cœur. Et pourtant, on rentre n'importe quel moment qu'on veut. Et pourtant, c'est écrit sur le Kohen Gadol, Ve'aliabo Bechoraet et la Kodesh. Il ne peut pas rentrer au Beit HaMikdash n'importe quel moment qu'il veut. Alors, si le cœur, on le compare au Kodesh HaKodashim, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire comment? C'est une grande avoda. Pour ça, ça demande une grande avoda. Ça veut dire, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça veut dire que chaque seconde, on doit faire attention. Pour ne pas, justement, qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le cœur, c'est une grande avoda. Si vous voyez les Baal Moussa, ce qu'ils disent, comme beaucoup de Baal Moussa, ils disent que le cœur, on l'appelle, c'est là-bas où il se cache le Tzara. On dit le Tzafon, Matzpoun, c'est là-bas où il se cache le Tzara. Il se cache avec cet endroit-là qui s'appelle le cœur, qui s'appelle l'air. Et c'est un travail terrible. Mais bon, Hachem, il y a la Torah. Avec l'étude de la Torah, on nettoie, c'est le sponge, c'est Mechounas Givisa du cœur, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça, d'ailleurs, on dit à Imkavata, étudie la Torah. D'un côté, on dit au Kohen, il ne faut pas qu'il vienne n'importe quel moment au Kodesh HaKodashim. Mais de l'autre côté, on te dit, Imkavatala et Tim la Torah. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit
du moment. Il y a un moment, on ne peut pas venir à n'importe quel moment au Kodesh HaKodeshim, mais lorsqu'on veut entrer au Kodesh HaKodesh qui s'appelle le cœur, qu'avec la Torah Kedusha. C'est qu'avec Kliyot Etim la Torah, c'est le secret qu'on peut rentrer et sortir à n'importe quel moment qu'on veut. Sinon, on risque de s'habituer. On peut même être Tovel Vesheretz Biado. On peut même étudier la Torah avec un Sheretz, avec on étudie la Torah, on peut même parler d'Hashmara sur un autre corps. Après, on a, quand on n'a rien dit. Donc, ça s'appelle, avec vous, c'est une gravoda terrible. C'est une gravoda terrible. La gravoda, c'est. Ah, maintenant, mes amis, Dada Ababio, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ils sont tzadikim vadaï. Vadaï, ils sont tzadikim. On ne peut pas imaginer. Alors, pourquoi ils ont été punis? Pourquoi ils ont été punis? Eh bien, Rabotai, il faut savoir une chose. Et en plus, à cause de Baruch Hu, il dit, Bikovay Akadesh. Bikovay Akadesh. J'ai calculé tout à l'heure, à Haremot, c'est comme je l'ai calculé. Et j'ai trouvé que dans le mot à Haremot, c'est racheter tes votes et sauver tes votes, c'est la Gemara avec le collègue, c'est Bam Kadosh. Le mot Aharimot, c'est racheter tes votes et sauver tes votes avec le collègue, c'est la Gemara de Bam Kadosh. C'est quoi Bam Kadosh? Bittibata Bam. Uniquement l'étude de la Torah, c'est elle qui va rendre, on sait très bien que. C'est elle qui va rendre l'homme kadosh. Et ce père-là, cette bouche qui étudie la Torah, elle va faire un stop, elle va faire comme un blindage au cœur pour le Yetzara, il n'a aucun accès dans le cœur. Ahare mot, lorsqu'il y a Adam, shimimit atzmo alea. Lorsqu'un homme rabota, il est derrière la Torah, il se tue. Adam qui amut va ohel. Il se tue pour l'étude de la Torah. Alors, il fait un coffrage, il fait un blindage, il blinde son cœur pour ne pas que le Tzara aille en dedans. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Kedushim, toute sa vie va être une vie sainte. Toute sa vie va être Kedushim. Vous savez, j'ai vu dans Benish Hai, si vous avez le temps, regardez Benish Hai, dans la paracha de la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il dit que la Touma, il y a deux choses qui font purifier la Touma, qui enlèvent la Touma du corps de l'homme. Ou l'eau. D'ailleurs, on voit dans la Torah, c'est écrit toujours l'eau. Il faut se. Ou l'eau. Ou bien l'étude de la Torah. Il donne une explication extraordinaire. Il dit pour la Touma physique, c'est l'eau. Mais l'atome, mais pour être mitkadesh spirituellement, l'étude de la Torah. Quand que, lorsqu'on est tamé, on se lave avec un kili, comme ça, lorsqu'on étudie la Torah, avec la bouche, elle devient comme un kili. Comme c'est écrit, notre m'hayim le motzaehem. Ça veut dire que, la bouche, elle devient comme un kili, et l'étude de la Torah, elle devient. Tu mikadesh ton corps avec l'étude de la Torah qui sort de la bouche. Ça veut dire, c'est extraordinaire, ça veut dire que. Vous aimez, c'est tous ces tzadikim qui étudient la Torah du matin au soir. Quelle schout ils ont! Ça veut dire, la Torah metaheret. La Torah, l'homme est capable de Touma. La Torah, elle ne reçoit pas la Touma. La Torah, elle purifie la personne. Et si Abi Israël, ils étaient prêts. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à matin Torah pour recevoir la Torah, cette préparation qu'ils se sont préparés de matin de la sortie de l'Égypte jusqu'à matin Torah pour enlever les 49 degrés de Touma qu'ils avaient sur eux, elle est quoi? Avec le fait de se préparer, ils ont étudié le peu de mitzvot que Moshe Rabbeinu leur a donné, et c'est ça qu'ils ont travaillé, c'est ça qui les a rendus tahor, kadosh. Ils sont devenus Am Kedushim, Am Kadosh. Ils ont eu le sroud d'écouter la voix de Hakadosh Baruch Hu. Qui peut écouter la voix de Hakadosh Baruch Hu? Avec un prophète, un homme Kadosh.
Donc, Rabotai, lorsque je réfléchis très très bien sur Nadab et Abihu, la Avoda qui, vous savez très bien lorsqu'il s'agit de Avodat Hashem, il faut qu'il y ait grandir Ad Shamayim. C'est pas possible, on ne peut pas être servi à Kadosh Baruch Hu s'il n'y a pas Ad Shamayim. Da'if me'ata omed. Quand vous allez me dire que Nadab et Abihu, Hashem Shalom, ils ne savaient pas devant qui ils sont debout. Faites d'ailleurs qu'ils savent. Mais de l'autre côté, eux aussi ils savent. Et ils veulent tâcher Bissimha. Eux aussi ils savent. Il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec la joie. Il faut servir avec Kadosh Baruch Hu avec la joie. Ça veut dire à Rabotai que Nadab et Abihu, la Torah veut nous enseigner que la Avodat Hashem qu'ils avaient, Nadab et Abihu, c'était au-delà de l'imagination. C'est une avoda qui estime Shulevet, c'est une avoda où il y avait Atah Shamayim, une avoda qui avait là-bas beaucoup de Torah, une avoda une avoda qu'on s'écrit avec Ishitma. Les deux, ils ont pris, les deux, c'était une avoda. Nadab et Abihu, toujours. Malheureusement, j'ai peur de me tromper. D'ailleurs, les Talmidim de Rabbi Akiva, pourquoi ils sont morts, les Talmidim de Rabbi Akiva? Ils ont tous des tzadikim. Comment les Talmidim de Rabbi Akiva, ils sont morts? Mais c'était tous des tzadikim. Mais qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Parce qu'ils n'ont pas respecté les uns les autres. C'est pas possible. Quoi? Ils étaient Talmidim de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il a dit: on peut imaginer. Non. Je pense que la faute qu'ils ont fait, peut-être, je l'ai dit déjà une fois, parce que c'était le Nahagou Kavod Zébazé. C'est quoi le Nahagou Kavod Zébazé? Ça veut dire, à Boutaï, ils étaient. Chacun, il avait sa Habruta. C'est tout. Chacun, il avait sa Habruta. Chacun, il connaissait que sa Habruta. Avec l'autre, il y avait un manque. Et je pense que c'était ça aussi le honnête de Nadab et Abihu. Parce qu'ils étaient les deux. Le problème, à eux, il fallait qu'ils consultent, il fallait qu'ils demandent peut-être à Elazar, à Itamar, leur frère, à Moshe, à Aaron. Je pense que c'est ça le honnête qu'ils avaient fait Nadab et Abihu. Ils étaient les deux, bam, toujours les deux ensemble. D'ailleurs, toujours on dit Nadab et Abihu, toujours Nadab et Abihu. Et c'était le délai des autres. Quoi, les autres, ils n'existent pas, les autres. Ça veut dire qu'ils avaient une grande Avodat Hashem, mais de l'Avodat Hashem, on doit se la partager. On doit se partager l'Avodat Hashem. Ça veut dire qu'il faut que je prends compte de toi, il faut que tu m'aides, je t'aide, et on s'aide. Et il faut que ce soit Avodat Hashem. Et c'est ça, dans le fond, Nadab et Abihu, ils n'ont pas fauté. Ils sont tzadikim dans le fond. Mais c'est super. Vous êtes les deux tzadikim. Alors partagez cette ambiance, partagez cet amour que vous avez en toi avec tout le monde. Entre vous et moi. Vous croyez que je vous aime que vous seul, c'est? Vous croyez que j'ai pas. Je crois. Alors d'après vous. Vous croyez que j'aime que ceux qui étudient dans mes kolélim, ceux d'Ashdod, ceux de Lyon, ceux d'ici, c'est eux et les autres? Eh bien, justement, la bataille. Si je vous aide que vous et pas les autres, eh bien, c'est grave. Ça peut être comme Nadab et Abihu, ça peut être aussi le guédel de le Nahagou Kavod Zébazé. Il faut aider les Yeshivot, les autres. Il faut aider les autres. Eh bien, il faut aider les autres. Et c'est la raison pourquoi moi j'ai toujours cette politique que je ne peux pas, que jamais, Hashem Shalom, si je peux, je ne peux pas refuser à un Makom Torah de ne pas l'aider. Je peux, beaucoup de gens ils disent, mais Ani Aïcha Kodmim. C'est vrai, Ani Aïcha Kodmim, mais c'est impossible. C'est impossible de refuser à une yeshiva qui te dise, on a besoin, il faut que tu viennes, et si tu ne viens pas, le fait que tu viennes, tu seras Hazek. Je ne peux pas dire non. C'est dur de dire non. Pourquoi je ne veux pas, je peux vous dire? Parce que la Torah, c'est à nous tous. C'est à nous tous. Vous savez, la semaine dernière, il y a deux semaines, mon rave, Rav Kopman Shalita de Rosh Shiva, le Rosh Shiva de Sunderland, qui maintenant est Rosh Kollel, il n'est pas venu cette année comme l'année dernière.
en France. Chaque année, il vient, il est très vieux. Bon, il n'a pas les... Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais même pas si on a le droit de le déranger de venir. Parce que il étudie. Il étudie la Torah non-stop. Il ne sait pas s'arrêter. Il a 90, 95 aujourd'hui. Un des Gdolei Hador, Anav. Ben, ça m'a étonné pourquoi il n'est pas venu cette année. Mais chaque année, il ne vient pas. Le pauvre est malade, il marche difficilement. Et puis, je l'ai appelé, je lui ai dit, Rav, ne vous dérangez pas. Ce que j'ai l'habitude de vous envoyer, je vous l'envoie. Et bien, Nara, je lui envoie une très belle somme. Il était tellement content. Il m'appelle cette semaine. Voilà des méthodes à apprendre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, merci, j'ai reçu l'argent. Merci beaucoup. Et je ne m'attendais pas que je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu cette année. Je ne m'attendais pas que vous allez me envoyer cette somme. Et vous l'avez envoyé comme si j'étais là. Il me dit, mais j'ai envie de venir vous voir. Je lui dis, ne vous dérangez pas, moi je viendrai. Mais non, je vais venir pour vous dire merci. Je lui dis, par honneur. Il m'a dit, non, je vais venir que pour vous dire merci. Comme le merci que je vous dis lorsque je suis en face. Je dis, mais merci, c'est pas la peine. Non, il me dit, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Je dis, Rav, ne venez pas. Tovli Torah, Tov Yom, un jour de Torah à toi, là-bas au Kollel, ça vaut, je ne sais pas, des dizaines d'années de Torah que moi je vais étudier. Ne vous dérangez pas. Je dis, non, la Torah, elle s'achète avec les Midot. Je dois venir vous dire merci. Alors moi, je me suis dit, si je dois dire merci à tous ces gens qui m'aident, où je vais arriver? Où je vais arriver? Si je dois, moi, David Pitt, aller à tous ceux qui me donnent des sommes importantes, comment je vais faire? Mais j'ai appris une leçon. J'ai appris une leçon. C'est-à-dire un simple merci. Un simple merci, c'est pas assez. Alors je me suis dit, alors si entre nous, entre humains, entre moi et Rav Kaufman, il veut se déranger pour me dire merci pour la somme que je lui ai envoyée. Alors, la présence d'Hachem qui est avec moi 24 heures sur 24, je dors, il est réveillé. Je dors, il me surveille. Combien je dois. Qu'est-ce que je peux lui dire? Avec quoi? Ma Hachem à l'Hachem Koutag Moléa. Comment? Des choses extraordinaires. Combien Hachem il fait avec nous? Avec pour Rav Kaufman. Et tiens tête, il va venir. Maintenant, j'attends que je lui donne une date, mais il veut venir. Quand il vient, vous allez le voir. Il veut venir. Uniquement, pas pour avancer d'argent, ça y est. Je lui ai donné ce que je lui ai donné. À vos tailles. Le Nahago Kavo Zébézé. Nada Vabio. Ils étaient toujours unis, Nadav Avio. Unis, ça dort. C'est super. C'est une belle Avodat Hashem. C'est un exemple devant Nadav Avio, qui sont toujours ensemble, inséparables. Moshe et Aaron aussi, ils étaient inséparables. Moshe et Aaron, mais lorsqu'ils devaient aider les Juifs, chacun se séparait de son côté. Mais Nadav Avio, toujours ensemble. Toujours Nadav Abio. Et les autres? Donc d'un côté, ils sont tzaddikim, sur ce, il faut leur pleurer. Il y a quoi prendre d'eux? Il faut apprendre cette Avodat Hashem de Nadav Abio, toujours à Avas Israël. Mais d'autre côté, Kadosh Baruch Hu, il n'est pas très content. Cette Avodat, il n'est pas bien d'être toujours ensemble et pas être avec les autres. D'ailleurs, je pense, et ça les a pourquoi ils ont été punis. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il les a punis. Mais d'un côté, ils ont puni, mais ils sortent sa déclinaison. Mais rapportez ce qu'on apprend de Nadav Abihu. On apprend s'ils sont arrivés, est-ce qu'ils sont arrivés? C'est parce que c'est le limoud, vidi batabam, aharé, toujours ils étaient derrière la Torah. Ils suivent la Torah Kedusha, vidi batabam, ils suivent chaque chose que la Torah dit. C'est pas ce que moi je veux dire, ce que la Torah veut qu'il fasse.
n'est pas ce que moi je veux, ce que la Torah elle veut d'eux. C'est ça qui va montrer, c'est ça qui rend l'homme kadosh. Être comme un kili, être comme un kili pour se purifier. Un kili, il purifie la Touma. Eh bien, lorsqu'il y a l'étude de la Torah, qu'elle est dans le kili, qu'elle est dans la bouche de la personne, elle sort de la bouche, c'est comme de l'eau qui sort et qui te purifie. Ce matin, j'ai dit à Rabbi Yitzhak et à Kassim, et j'aurais dit combien d'histoires, des souffrances j'ai du Shabbat. Alors, je vais à. Alors, moi, je suis Kanaï. Moi, je suis très. Moi, je suis un révolutionnaire. Je ne peux pas supporter beaucoup de choses. Surtout, c'est des choses Shabbat, téléphone Shabbat, quelqu'un qui. Et bon, malheureusement, beaucoup de fois, dans, ça arrive que. Le Shabbat, là-bas au 17e, au Shabbat, il y a des gens qui viennent sans qu'ils passent, sans rien du tout. Et ils nous demandent, est-ce qu'il y a une kippa là? Et combien de fois ils arrivent avec un téléphone, le Shabbat, il va même sonner pendant la prière. Bon, on va chercher toujours un bon minyan qui sont chômés le Shabbat, mais il y a des gens qui arrivent comme ça, qui ne sont pas chômés le Shabbat, qui viennent sans qu'ils passent, sans rien du tout, avec le mouqté, avec le parapluie, ils viennent même en bicyclette. Mais on les accepte. On ne leur dit rien du tout. On leur parle à travers les cours de Torah qu'on fait. Et à eux, après de à eux, si on va les jeter, si on va dire, alors, on les a perdus, on va les perdre. C'est des juifs. C'est des juifs qui sont... Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un grand professeur qui ne veut pas admettre qu'il est juif. Un grand monsieur qui ne veut pas admettre qu'il est juif. Il est juif, il ne veut pas le dire. Il est très, très, très caché. Enfin, c'est très connu. Et il ne veut pas. Il a changé son nom, il ne veut pas. Et combien de fois je l'ai bloqué. Il me regarde, mais je travaille. Je travaille sur lui. Pourquoi? Parce que... Est-ce que... Hachem aussi a travaillé sur nous. Parce qu'on en a quitté l'Égypte. Il travaille beaucoup sur nous. Quand on est devenu comme ça, des tzadikim, mais pour recevoir la Torah. Non, il a travaillé sur nous. Quand je vois. Pourquoi Avoda sur nous. Patience. Il nous a montré qu'est-ce qu'il vaut. Et il a été très patient avec nous. Quand je vois. Très patient avec nous. Je voudrais simplement raconter une belle histoire. Pour savoir c'est quoi. Vous savez, toujours on dit que. Vous savez ça mieux que moi. Vous savez, lorsqu'on fait mitzvah, que ce soit l'étude, n'importe quelle mitzvah, est-ce qu'on appelle Yel Maasé? Yel Maasé. La Maasé de la mitzvah. Par exemple, on mange. On mange. On a fait une mitzvah. On a fait une mitzvah. On a fait Bekat Amazon. Mais il y a aussi un malach qui va être da malima ala mimar. Moi, j'ai toujours expliqué c'est quoi da malima ala mimar. Ça veut dire que selon ta avodat Hashem, tu es en train de créer un malach, le ma'ala mimar. Mais il est mimar, il est de toi. Mais il est le ma'ala. Mais il est mimar. Il sort de toi. Il peut être aveugle. Mimar, il est aveugle. De toi, il est aveugle. Il peut être sans tête. Mais il est le ma'ala, c'est un malar. Mimar, il est de toi. C'est un problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est pour ça qu'il y a la tchouva. La tchouva, c'est-à-dire du verbe tchouva tachouva. On lui rend ce qui lui manque. S'il lui manque la tête, avec la tchouva, on lui rend la tête. Il lui manque une main, on lui rend. Non, c'est ce qui devient un malar shalem. Un malar shalem. Et ça, c'est un travail. Travail, un grand travail. 33. Maman, je suis une avoda. Une avoda, c'est un grand travail. Un grand travail. Un grand travail. Et puis, il y avait une fois à Auschwitz, il y avait une fois quelqu'un qui l'a fait, qui parlait avec son ami. En parlant avec son ami, il lui a dit, tu sais que demain c'est Pessah. Et demain c'est Pessah. Et tu sais que demain c'est. On part du 7 Mitzrayim, la Matzah.
si vous pouvez, lui dit, toi, tu travailles un peu dans le dépôt là-bas du blé. Tu ne peux pas prendre quelques grains et tu fais une galette de Pessah. Il dit, mais si je prends quelques grains, on va me tuer. Bon, finalement, ce même jour là-bas, il y avait les alliés, les Américains qui ont bombardé ce dépôt de blé, et les Allemands, ils marchaient. Même, ils ont demandé aux Juifs de récolter, de ramasser tout ce blé qui était dispersé. Et grain par grain. Et hop, c'est, attention, c'est quelqu'un qui met quelques grains dans sa poche. Condamné à mort. Ils ont même vérifié les bouches des Juifs qui ont ramassé les grains, s'ils n'ont pas mis quelques grains dans leur bouche. Achzariut. Achzariut. C'était cruauté des nazis de l'époque. Et finalement, raboté ce monsieur-là, lorsqu'il a commencé à ramasser, il a pris quelques grains, il les a cachés. Le soir, il est venu. Il a fait de ça, il a pris des pierres, il les a moulues. Il a pris un peu de farine. Et il a fait une petite matza. Une matza, disons, immangeable. Une matza avec du sable. Où il a fait? Dans le sable, où est-ce qu'il va la faire? Il arrive chez lui, pas chez lui, au Mahané, le camp de concentration. Et voilà, la police, la SS, la Gestapo, qui le fouille, il trouve cette petite galette. Bien sûr, il a reçu des coups. Ils l'ont massacré de coups, et prend la galette, il la jette. Le soir, il retourne et reprend la galette. Il était tout dans son sang, le miskin. Le pauvre était mâche, ils l'ont massacré. Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Il rentre dans sa chambre, tout cassé. Il dit à son ami, avec beaucoup de difficultés, voilà, j'ai fait une petite galette. Je ne sais pas si elle est mangeable ou elle n'est pas mangeable, mais voilà, j'ai fait une galette. De Pessah, pour demain soir ou pour ce soir. Il dit, je t'en prie, tu peux faire un service. Est-ce que je peux la manger? Moi, je fais la manger. Moi, je fais. Mais la mitzvah, c'est toi qui la prends. Il dit, c'est pas possible. Comment? Moi, j'ai risqué ma vie pour la faire. Et je suis dans cette mitzvah. Il dit, je t'en prie, comme c'est les deux, on gagne. Moi, je la mange, toi, tu prends la mitzvah. Il a accepté. Le lendemain, malheureusement, le juif l'a été tué. Celui qui a mangé la galette. Et je ne lui ai pas posé la question. Pourquoi elle a été tuée? Malheureusement, c'est ça, Hastarat Panim. Malheureusement, c'était ça ce qui s'est passé. Les tzadikim, tout le monde, les juifs, les tzadikim, et ceux qui ne sont pas tzadikim, malheureusement, c'était la xéra de 6 millions de juifs qu'ils ont morts. Et voilà la bouteille, 20 ans, 25 ans plus tard, 30 ans plus tard, 50 ans plus tard, il vient dans le rêve chez ce juif-là, qu'il a reçu des coups pour faire la galette. Il lui dit, tu te rappelles de moi? Il lui dit, je me rappelle de toi. Il lui dit, tu sais, on ne m'a pas donné la permission de venir chez toi. On m'a donné la permission que je vienne chez toi que maintenant, Menachamaïm. Tu sais, c'est toi qui as fait c'est moi qui t'ai parlé de la matzah. C'est toi qui l'as fait. C'est toi qui as reçu des cours. Et c'est moi qui l'ai mangé. Tu te rappelles? Je me rappelle. Tu te rappelles que je t'avais dit, c'est moi je l'ai mangé, toi tu prends la mitzvah. Tu te rappelles? Il dit, je me rappelle. Je t'en prie. Tu peux me donner la mitzvah. Je t'en prie, fais-moi un service. Donne-moi la mitzvah. Parce qu'il y a un malach, il est né par cette mitzvah, il est là. Et ce malach-là, je souffre de le voir qui m'appartient, parce que c'est moi qui ai mangé la galette, mais il t'appartient, parce que c'est toi qui as gardé la mitzvah. Il t'attend. Je t'en prie. Baruch Hashem, je suis avec Al-Eden, je suis avec Avot, je suis avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. J'en suis fier, j'en suis content. Mais ce malach-là, je n'ai fait beaucoup de malachim comme lui, mais ce malach-là, il peut m'ouvrir beaucoup de portes. Je peux encore avancer. Il dit, je suis dans la réponse. Et chaque nuit, il rêve avec lui. Je crois qu'il a été. J'ai déposé qui à Bnei Brak. Je ne peux pas vous dire c'est quelle année et quel rave il a été voir. Les poskim lui ont dit tout ce qui est psak halacha,
on peut te répondre, mais ces choses-là, des morts, des mitzvot, et des trucs-là, ça peut... Mais il y a un rêve, je crois que c'est l'admo d'un des tzadikim de Bnei Brak, il a dit, allez-y chez lui, regardez ce qu'il peut vous dire. Lui, nous, on ne peut pas donner un psaque, c'est pas notre domaine, chacun a son domaine. Il va. Il dit, Rabbi, je suis dérangé chaque nuit. Il y a ce monsieur-là qui vient me voir chaque nuit. Il m'embête, il veut que je lui donne la mitzvah. Et comment je peux lui donner la mitzvah? J'ai risqué ma vie, je ne peux pas lui donner. Alors, que dois-je faire? Et le Rabbi lui dit, tu veux m'écouter? Il dit, je t'écoute. Donne-lui. Tu es encore vivant. Tu peux faire encore des mitzvot. Lui, il est mort. Il ne peut plus rien faire. Vous savez, c'est quoi une seconde de Torah ici? Après 120 ans, là-haut, lorsqu'on va voir, c'est quoi une seconde de Torah? C'est quoi? Mais si vous tenez fait sur une mitzvah, mais on va dire, quand je serai le prochain Olam, demande, je vais retourner encore. C'est trop tard. Je t'ai donné déjà assez de temps pour faire, maintenant c'est trop tard. Alors le Rebbe est dit à ce monsieur-là, tu peux encore faire. Fais n'importe quel mitzvah que tu as avec Mitzvot Nefesh, tu crées un malheur pareil. Lui, il ne peut plus rien faire. Donne-lui une mitzvah. Donne-lui la mitzvah et toi, tu peux en faire. Combien de tzadik avait Hamitzan, Salav Shalom? Je connais beaucoup, beaucoup de tzadikim qui ont vendu leur Olam Haba. Je connais plein de tzadikim dans Sfirah Hatzidut. Il y a plein d'histoires comme ça. Ils ont vendu leur Olam Haba pour la tzedaka, pour d'argent, pour les donner aux autres. Il y avait une fois un rab, je ne me rappelle pas qui est-ce, qui a vendu tout son Olam Haba à quelqu'un, aux enchères. Voilà, il y avait le tiche, il avait été avec tout le monde, qui va chez mon Olam Haba, il a fait avec un papier. Ses enfants sont venus après chez lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout vendu. Et il a dit, ben justement, maintenant je vais commencer à zéro. Je vais trouver d'Hachem. Je vais commencer à zéro. Est-ce que nous, on est prêts? Est-ce que nous, on est capables de dire, je vais commencer à zéro? Nous, on n'est pas prêts. C'est ça, Rabotai, Avodat Hachem. Harimot Kedushim. C'est combien chacun de nous, c'est la Torah, et nous parle de Nadav et Abihu, combien des enseignements on peut apprendre de Nadav et Abihu. Que ne croyez pas que, Hashalom, il y a des choses négatives qu'on apprend des choses qu'ils ont fait, mais il y a aussi des choses positives qu'ils ont fait. Si ce n'était pas positif, si ce n'était pas des tzadikim, comment Kachoy va les appeler Kedushim, Bekobaya Kadesh? Comment Hashem il va se sanctifier avec des tzadikim? Comment Kachoy va dire à toi, Amisraël, pleurer ces tzadikim qui sont morts? Mais de l'autre côté, Rabotai, le fait qu'ils n'ont pas consulté Moshe à Aaron, le fait qu'ils n'ont pas consulté El Hazar et Tamar, le fait que toujours ils étaient Ishmahtato, Nadav et Abihu, toujours les deux. On ne peut pas construire. On ne peut pas se construire. Et on ne peut pas se construire solo, seul. Il faut se construire avec toi, Israël. Et être avec tout le monde. Comme les élèves de Rabbi Akiva. La raison pourquoi ils sont morts, parce que c'était le Nahagou Kavod Ish, le Nahagou Kavod Zébazé. C'est-à-dire que chacun, il avait sa Habruta, chacun connaissait que sa Habruta, l'autre, il ne m'intéresse pas. Ou bien, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, l'autre, il a sa Habruta. Voilà. L'autre aussi, il a sa Habruta. Et toi, moi, j'ai ma Habruta. Ça ne marche pas comme ça. Ou Habruta ou Mituta, qui dit Hunya Magal. C'est quoi Habruta? Habruta, tous ensemble. Pas qu'un seul, tous ensemble. C'est-à-dire que finalement, vous ici dans ce collet-là, vous êtes une seule Habruta. Vous êtes une seule. Il n'y a pas. Ça veut dire que chacun a sa Habruta, mais c'est Habruta, c'est une seule. Une seule. D'ailleurs, lorsque Hashem a donné la Torah à Israël, c'est écrit. Ils étaient des millions, mais ils étaient Kishéhad. C'est très important, Kishéhad. Et toujours devant,
C'est écrit Ish obeto ba'o. Ish obeto ba'o. Chacun avec sa maison. Et tout ce qui. Ish obeto ba'o. Chacun de nous, il doit faire attention au limoud. C'est très important le limoud à Torah. Harimot, Kedushim. Ça veut dire, mes amis, il faut bien, bien. Il dit Batabam. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen pour grandir dans la Torah. Il faut beaucoup d'études, faire beaucoup attention, ne pas s'habituer. Et bien, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a une grande barrière entre Am Israël, entre comment on s'appelle, entre. D'un côté, quand je vous ai dit à Aaron, allez à la Kodesh pour ne pas qu'il s'habitue. Et alors nous, qu'on a un cœur, on est habitué avec lui, comment on va faire? Et il y a un cœur, il y a un Kodesh à Kodesh, qu'il est là, il est là, le Kodesh à Kodesh. Et le Saint des Saints, c'est le cœur, comment je vais faire? Et comment je rentre du matin au soir. Hier, tu peux faire là-bas un pétard, une porte bien blindée, bien fermée, et tu l'ouvres quand tu veux, et tu rentres quand tu veux. Grâce à quoi? L'étude de la Torah. L'étude de la Torah va te donner cette possibilité. L'étude de la Torah, elle va te donner cette possibilité de rentrer et de sortir. Donc, je vous souhaite beaucoup de. Maintenant, vous avez commencé les nouveaux Zman. Attachez que bonne réussite, Kenneratson. Attachez, il vous aide dans l'étude, Kenneratson. Profitez-en, si les journées sont un peu longues. Et attachez qu'il y aura des smartphones chez vous. Attachez, Bekarov, Kenneratson. Et vite, attachez tous les jeunes qui sont là. Qui ne sont pas mariés, ben, Hachem, qui trouve un bon mazat. Et je vous en prie, n'oubliez pas une seule chose. N'oubliez pas une seule chose. Que chacun, il est de l'autre. Très important. Que chacun, il est de l'autre. C'est très, très important. Que chacun, c'est. Surtout, on est dans le Zman du Tikkun. Les élèves de Rabbi Akiva, avec tout ce qui est arrivé, vous êtes de Rabbi Akiva. Chacun de vous doit faire beaucoup, beaucoup attention. Et avec ça, je vous donne la parole d'honneur. Avec ça, on obtient les Hatchamayim. Parce que les Hatchamayim, c'est pas facile, je vous le dis. Moi, une fois, j'ai dit à quelqu'un comme ça. Je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, celui qui veut tirer Hatchamayim, est-ce qu'il respecte le prochain? C'est tout. C'est tout. C'est tout. Les Hatchamayim, pour moi, elle vient lorsqu'on respecte le prochain. Parce que la Gemara Brachot, je termine. Hein. La Gemara Brachot, il dit. Que ma chevchoe même chaque imlira. Alors le Gemara pose une question, comment Moshe Rabbeinu dit, qu'est-ce que j'ai mis devant de vous? Pas une grande chose. Qui im ça m'a un le Gemara dit, Yachamaim, c'est pas facile. C'est pour avoir la crainte d'Hachem, c'est grand, c'est beaucoup de travail. Et qu'est-ce que la Gemara dit? Non, c'est pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, le Yachamaim, c'est pas grand chose. Alors la question, elle se pose, pourquoi nous on est Moshe Rabbeinu? C'est vrai. Peut-être pour Moshe Rabbeinu, El Hatchamayim, il n'est pas. Il parle avec Hachem, panim et panim. Pour Moshe Rabbeinu, ce n'est pas grand-chose. Mais pour nous, c'est une grand-chose. Alors, c'est quoi la réponse de la Gemara? La réponse de la Gemara, elle est facile. Fais comme Moshe Rabbeinu. Et apprends. Et qu'est-ce que c'était Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu était Shakul qui n'est qu'à l'âme Israël. Il était l'équivalent de toi, âme Israël. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il faisait. Car à chacun des bénis d'Israël, jusqu'à que chaque juif, il faisait partie de lui. Chakoul, qu'il est pour l'âme d'Israël. Et lorsque Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, il faisait qu'à chaque juif, il a obtenu le Hatchamayim. Il a obtenu le Hatchamayim, un homme qui fait attention aux besoins de chacun. Et qu'est-ce que, comme c'est écrit avant de mourir, il est parti parler dans les oreilles des juifs. Quoi? C'est-à-dire qu'il est parti chez chaque juif. Chaque juif, parti chez chaque juif parler dans ses oreilles. C'est la folie, Moshe Rabbeinu. C'est la folie. Il y a un homme, Rabotai, qui l'aime, Am Israël, Kacha, il va avoir Hatchamayim. Pourquoi? Parce que Hachem, comme Hachem, il fait attention à nous, et un homme, il dit, lui aussi, il fait attention à d'autres. Alors, ça veut dire, pourquoi il fait attention à toi? Il dit, ben, c'est ça le ratson d'Hachem. Puisque le ratson d'Hachem, c'est de faire attention aux autres, alors, si c'est Hachamay, la crainte d'Hachem est bien lorsqu'on se fait attention à l'autre, on se fait attention. Alors, ben, Ezat Hachem, bonne réussite que Hachem vous donne. Brachabet, Hamikirat.
بدافيد بنتو للولا لا سيتو الهرب بدافيد بنتو نضوي العيالات صغرتو على البدافيد بنتو